Seigneur, c'est toi que nous invitons, ce lieu. Nous te laissons toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Alors que tu es présent, conduis ces temps et le contrôle de ces moments. Sois celui-là qui nous conduit, qui nous dirige, afin que Dieu soit glorifié, afin que Dieu travaille au travers, oui, de ces temps et de ces moments. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous capacites afin que le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu connecté partout dans le monde puisse recevoir la conduite, l'orientation, la direction de Dieu ce matin, alors que nous sommes là présentement. Ô Saint-Esprit, fais encore à ta manière. Nous ne sommes que des instruments qui ont été choisis afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir à Bethel. Alors que nous sommes dans ce mois de percée, dans le désert, nous prions être ces hommes et ces femmes qui faisons face au désert, qui n'ayons pas peur du désert, mais qui soient confrontés au désert, afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir dans nos vies, au nom de Jésus. Que ta présence remplisse ce lieu. Que ta présence nous sature ce matin. Yeshua. Que ta présence nous sature ce matin. Que ta présence nous sature ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, que ta présence nous fait du bien ce matin. Que ta présence nous fait du bien ce matin. Que ta présence nous fait du bien ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça passe. Alléluia. Quand il y a que tu les bouches à d'abosa, oh Yeshua. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de notre cœur. Tu es digne de recevoir la reconnaissance de notre cœur.
Ikayamaze que te rebosu bras cante rebosa brada bosa te rebosa. Ikayamaze rebosa brada da bosa. Yeshua. Père, oh Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Adonai, oh Dieu, voici des vases disponibles. Adonai, présentés devant toi, Père. Qui désire être rempli pour le service, ô Dieu Père. Seigneur, tel l'argile devant le divin potier, Adonai, nous sommes disposés devant toi, Adonai. Façonne nos vies, façonne notre entendement, Père, ô Dieu, et que ta gloire éclate en ce lieu, que ta gloire éclate dans nos vies, que ta gloire éclate, Seigneur, dans cette génération, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que ta gloire, ô Dieu, soit manifeste, Père, ô Dieu, accomplis-nous aujourd'hui. Père, Seigneur, nous sommes petits devant toi, Adonai. Ton serviteur pouvait dire que je diminue, que toi tu croisses. Oui, Saint-Esprit, aujourd'hui, des hommes que nous sommes, Père, ô Dieu, s'humiliant, s'abaissant devant toi. Et toi, Saint-Esprit, tu prends le plein contrôle. Prends les rênes. Saint-Esprit de Dieu, prends les rênes. Ne nous permets pas de dire ce que tu nous voudrais que nous disions, ô Dieu, mais permets-nous de dire, ô Dieu, ce que tu as prévu d'avance afin que nous les pratiquions, Adonai. Oui, ta parole déclare, elle ne retourne pas à toi sans pour autant qu'elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Laisse que ta parole soit efficace aujourd'hui. Laisse que ta parole, ô Dieu, sépare en nous ce qui est vil et ce qui est utile, Adonai, afin que ta gloire, ô Dieu, soit relâchée, révélée au grand jour, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire une portion d'écriture pour planter le décor. Daniel 6, à partir du verset 10 à 12, et 1 Samuel 23, à partir du verset 25 à 28. J'ai eu la parole. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Verset 11. Lorsque ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent là Daniel, priait, invoquait son Dieu. Verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant sur quiconque dans l'espace du territoire jour s'adressait des prières à quelque dieu que ce soit ou à un homme excepté à toi? Ô roi, serais-je jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine. 1 Samuel chapitre 23, à partir du verset 25. Saül et ses soldats partirent à sa recherche s'agissant de David. Lorsque quelqu'un vient le dire à David, il va alors dans un endroit élevé du désert de Mahon. Quand Saül apprend cela, il poursuit David dans cette région. Verset 26. Saül et ses soldats avancèrent le côté d'une colline et David et ses hommes marchèrent de l'autre côté. Ils se dépêchèrent pour échapper à Saül. En effet, Saül et ses soldats
sont sur le point de l'atteindre et l'entourer de tous côtés pour les faire prisonniers. Mais au moment où, à un moment, le messager arrive et dit à Saül, viens vite, les Philistins attaquent le pays. Alors Saül arrête la poursuite de poursuivre David et il marche contre les Philistins. Il marcha contre les Philistins. C'est pourquoi on appela cet endroit, c'est là à Maclécote. La portion d'écriture que nous avons lue aujourd'hui, je me suis proposé de proposer un thème, pardonnez-moi la répétition, la prière et c'est là à Maclécote. D'abord, je me suis permis de redéfinir la prière, action au moyen par lequel l'homme peut côtoyer Dieu, l'homme s'adresse à Dieu, ou encore une élévation de l'âme vers Dieu pour exprimer une adoration, un sentiment profond, une reconnaissance, une action de grâce et également une requête. C'est là à Maclécote, dans certaines versions, le vainqueur, il écrit c'est là à Maclécote. Le second parole d'aujourd'hui, c'est là à Maclécote, mais dans certaines versions, il est écrit ce lieu est appelé rocher d'évasion, ou en d'autres termes, le jour où Dieu, ou encore le moment où Dieu fait cesser nos souffrances. Alors nous allons prier, comprendre l'importance de cela à Maclécote, l'importance de comprendre les enjeux, les aboutissants de la prière, afin d'arriver à un état de libération totale de toute forme d'oppression, de toute forme de négligence, de toute forme d'obstacle qui se dresse contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église. Pour ce faire, nous allons étudier ce personnage de Daniel. Nous remarquons que Daniel, après que le décret soit annoncé, il n'a pas regardé aux hommes, il n'a pas regardé à sa situation, il n'a pas regardé au vécu, mais il a regardé à Dieu. La Bible déclare qu'il s'est tourné vers Jérusalem. Il s'est tourné vers Jérusalem en direction du temple, en cherchant la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, d'où lui viendra le secours? Daniel a su analyser la situation, a su analyser les enjeux, les aboutissants du décret. Quels sont les enjeux, quels sont les décrets qui sont sur le Sénégal en ce moment? Quels sont les décrets qui parlent contre nos vies en ce moment? Quels sont les décrets qui parlent contre nos familles? Quels sont les décrets qui sont opposés à notre expansion spirituelle? Quels sont les décrets qui parlent contre notre percée? Daniel a ressassé ce moment, il a dit certainement le secours me viendra de l'Éternel. Il s'est mis à genoux 3 fois par jour et implorer la grâce de Dieu. Qui peut bénéficier des effets de cela à Maclécote? Qui sont détenteurs, qui sont aptes à bénéficier, à rentrer dans la dimension du cela à Maclécote? Nous pouvons remarquer dans les deux portions d'écriture que nous avons lues, David et Daniel, c'était des personnes consacrées. Ils accordaient une attention particulière à la prière, une attention particulière aux choses, aux valeurs du royaume de Dieu. Ils ne négligeaient pas les temps de prière. Ils prenaient les temps de prière avec considération. David ne cessa de dire que l'Éternel est son berger. Il accordait les choses, les valeurs, il accordait de l'importance particulière aux choses spirituelles. J'aimerais dire aujourd'hui, Dieu n'attire pas le surnaturel dans la vie de quelqu'un qui ne prête pas attention, qui n'accorde pas d'importance aux choses naturelles. Et j'aimerais dire que la prière est le moyen par lequel l'homme peut déclencher les choses surnaturelles. La prière, élément naturel aux portées ou encore aux dimensions surnaturelles. Alors nous pouvons le voir dans l'intercession des disciples, la libération de l'apôtre Pierre. La Bible déclare qu'ils étaient entrés de prison, libérés le ministère des anges et les chaînes et la prison s'est ouverte. La porte et la prison se sont ouvertes et Pierre est sorti. La prière, pas n'importe laquelle, la prière du consacré, Élie amène le feu sur l'autel. Ils vont le voir Élie et les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, consacré Élie, fait des déclarations prophétiques et le feu de Dieu descend. Nous pouvons voir que la prière, avec des déclarations importantes, même pas n'importe quelle déclaration, une déclaration qui émane du cœur. La Bible déclare c'est l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Shadrach, Meshach et Abednego ont fait des déclarations prophétiques. Ils ont dit, notre Dieu est capable. Amen. Notre Dieu est capable. Amen. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ô roi de Nebuchadnezzar, si tu ne nous délivres pas, Seigneur, notre Dieu est capable. La déclaration prophétique a entraîné la mouvance, l'intervention de Dieu dans leur vie. Amen. De la même manière, sommes-nous aujourd'hui de faire ce type de déclaration prophétique?
Amen. Comme Élisée. Amen. Devant les eaux de Mara, je crois. Il dit, j'assainis les lieux, j'assainis les eaux. Là où l'amertume avait régné, Élisée arrive, il assainit les eaux. Par la parole, par la déclaration prophétique. La percée surnaturelle n'est possible que si on engage des prières surnaturelles. Amen. Comment engager des prières surnaturelles? Il suffit de quitter la dimension de la chair, quitter la dimension des émotions, de l'âme, quitter la dimension des raisonnements. Est-ce que Dieu pourra? Est-ce que Dieu est capable? En vue des enjeux, des aboutissants, je ne crois pas. Quitter la dimension de l'âme, quitter la dimension de la chair, accéder à la dimension de l'esprit. Au moment où tout semblait difficile pour David, la Bible déclare, David était entouré de quelques personnes, Saül était avec une armée. Entouré de tous côtés, David n'avait aucune issue, aucun espoir. Et ce que j'aime avec Dieu, là où l'homme n'a plus d'espoir, là où l'homme place une virgule, Dieu place, là où l'homme place un point, Dieu place un point virgule, une virgule. Amen. Pour dire que là où David était acculé, il s'est certainement tourné vers Dieu. Il n'a pas, la Bible déclare, la Bible ne montre pas qu'il a pris des armes pour combattre, mais non, la Bible montre que David est resté serein. Certainement, il pouvait crier, « Oh Dieu, le Dieu de mes promesses, le Dieu qui m'a oint, où es-tu aujourd'hui ?» La Bible déclare que David était dans le désert. Il était sur la montagne, comme nous aujourd'hui. Nous sommes sur la montagne et dans le désert. Nous voulons crier comme David, « Oh Dieu, d'où nous viendra le secours ?» Ce désert ne me tuera pas, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus. Maintenant, ça suffit. Les oppressions ont trop duré. Yes. Les malédictions ont trop duré. La peur a changé de camp à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je crie à toi, Père, oh Dieu. Jusqu'à quand Adonai, l'ennemi, va m'oppresser? Vous pouvez dire, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Le Dieu de la promesse est fidèle. Seigneur, si tu es fidèle, manifeste ta fidélité aujourd'hui. Jésus. Telle est la déclaration que David a faite aujourd'hui. Nous croyons que nous allons manifester, rentrer dans cette dimension de déclaration. Alléluia. Rentrer dans une dimension où nous sortons de l'âme, nous sortons de la chair. Mais nous comptons sur les promesses de Dieu pour élever l'esprit en nous. La Bible déclare que le Dieu de paix nous fortifie dans notre être intérieur. C'est en cela que nous pouvions déclencher le miracle surnaturel dans nos vies. Où est ce Dieu? Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, le Dieu d'Israël, Dieu de Bethel, où es-tu? Aujourd'hui, nous allons invoquer ce Dieu. Le Dieu qui a été élevé à Golgotha, qui s'est écrié, tout est accompli, qui n'a pas dit une partie est accomplie après, mon peuple va crier, non, tout est accompli. Aujourd'hui, nous allons déclarer cela à ma clé-côte. C'est là à ma clé-côte, notre rocher d'évasion, le jour où l'Éternel se souvient de nous. Le jour où l'Éternel décide, non, mon fils a trop pleuré, ma fille a trop pleuré, elle s'est trop lamentée. Aujourd'hui, ton Dieu descend. La Bible déclare, Michée chapitre 7, verset 8, ne te réjouis pas à mon sujet si je suis tombé. Car si l'Éternel, Jéhovah Sabaoth, le Dieu, je suis, est avec moi. Il me délivrera, il me relèvera. Aujourd'hui, nous allons prier. Faire des déclarations prophétiques. Atteindre la dimension de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, qui se sont tenus devant Dieu, qui ont gardé l'importance, les valeurs, le sacré de Dieu. Qu'est-ce qui fera la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que le bâton d'Aaron puisse fleurir? La qualité de vie d'Aaron comparée aux autres personnes des 12 tribus de Juda. Qu'est-ce qui fera fleurir notre bâton aujourd'hui? C'est notre qualité à manifester la vie Zoé de Dieu en nous. Notre qualité à considérer, reconsidérer le sacré dans nos vies. Afin d'attirer le cela à ma clé-côte dans nos vies. Alléluia. Nous allons élever la voix. Particulièrement, nous allons commencer par ce chant.
La Bible déclare le cheval est équipé pour le combat. Le cheval est équipé pour la guerre. Le jour de la délivrance appartient à l'Éternel. Et nous croyons que le jour de la délivrance, la saison de la délivrance, la saison où le rocher d'évasion agit dans nos vies est arrivé. Alléluia. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Et comment
Nous allons produire ces choses de l'intérieur. Alléluia. Que ces choses sortent du plus profond de notre être. C'est de l'abondance du cœur qui la bouche et s'exprime. Nous allons proclamer que Père, oh Dieu, à compter d'aujourd'hui, nous inaugurons l'ère du surnaturel. Alléluia. Nous cessons maintenant aujourd'hui de faire ces prières religieuses. Alléluia. Nous accordons de l'importance aux choses du royaume. Ta parole montre, oh Dieu, occupez-vous premièrement les choses du royaume. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Adonai Père, aujourd'hui nous allons relever la voix et proclamer que la saison de l'assoupissement est terminée. Nous allons décréter la saison du la faiblesse, la lenteur spirituelle terminée. Nous allons rentrer dans la dimension des vaillants héros, la dimension des chérubales. À compter d'aujourd'hui, nous inaugurons cette terre. Élevons la voix et prions. Seigneur, alors que les choses cachées offrent joie et les choses revenues soient louées à nos enfants, nous déclarons maintenant, en Seigneur, que tous les enfants, que tous les enfants, La Bible déclare que David était dans le désert et parti sur la montagne. Malgré la montagne, Saül s'est levé contre lui. Malgré la montagne, l'ennemi va nous acculer. Mais nous comptons sur le Dieu vivant. Alors nous allons revêtir le vêtement spirituel, l'armure spirituelle, pour faire face aux changeux, à l'adversité de l'ennemi. Nous allons proclamer, nous allons porter notre casque du salut. Porter notre armure spirituelle afin de faire face, de résister et de vaincre. La Bible déclare résister au malin et il fuira loin de vous. Loin de vous. Nous allons
allons prier que le vrai vêtement spirituel soit notre partage à compter d'aujourd'hui. Non pas seulement nous ici présents, mais de toute l'église entière. Que les ouvriers se connectent à cette grâce et reçoivent maintenant le vêtement spirituel. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Père, oh Dieu, Seigneur, nous revêtons Adonai l'armure spirituelle aujourd'hui. Seigneur, donne-nous le revêtement qui sied pour la dimension. Donne-nous le revêtement qui sied, Père, oh Dieu, pour la mission. Donne-nous le revêtement, Père. Seigneur, le casque du salut Adonai, afin de résister, Père, oh Dieu, aux accusations, aux accusations, Seigneur, du diable Adonai. Seigneur, oh Dieu, le revêtement complet, Père Adonai, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, le sel de l'évangile de paix, il est que Dieu les prochains Maraboska, et la bouche à Paris, oui, Père, donne-nous, Seigneur, de faire face à l'adversité, de faire face à l'adversité, de faire face à l'adversité, et Karaboshane, les Karaboska, de la bachette, Ibrahimoska, Yabashane, les Boschette, la Bradabaché. Père, oh Dieu, ta parole montre que c'est par la parole, Seigneur, oh Dieu, que nous séparons, Jean Dieu et moi. C'est par la parole, oh Père, que tu as résisté, Seigneur, aux chassons de l'ennemi. Nous croyons qu'aujourd'hui, Père, à compter d'aujourd'hui, nous allons résister, Père, aux assauts de l'ennemi. Laisse que ta parole soit agissante dans la vie de ton peuple, Père. Que ta parole, Seigneur, soit agissante dans la vie de ton peuple, oh Dieu. Rabasanta karebosha, reba la bosha takare baskete, ikarabosha nele braska yabashete. Ta parole, Père, Seigneur. Ta parole est véritable. Ta parole est véritable. Ta parole est véritable. Ta parole est véritable. Et barabosha. Contre nos vies, contre ton église. Ta parole nous permet, Seigneur, de pouvoir percer là où l'homme était incapable de percer. Ta parole nous relève, nous révèle l'autorité de Dieu. Ta parole nous révèle les promesses de Dieu. Ta parole nous permet, Seigneur, de réaliser que Nous allons prier. Nous voulons atteindre la stature parfaite de Christ. Christ étant Dieu fait chair, il se tenait en soirée après avoir prié, après avoir exhorté le peuple, il se retira toujours. Il se retirait pour aller dans le lieu secret et parler avec son Père. Jésus qui connaissait les rouages du métier, qui descend du ciel, il arrive à instruire l'homme, instruire l'humanité, mais lui demeurait constamment dans la prière. Qui sommes-nous pour être négligents? Qui sommes-nous pour être dans l'assoupissement? Nous allons prier, nous allons déclarer à compter d'aujourd'hui. L'église de Dieu, peut-être deux, peut-être trois, puisse rentrer dans la dimension de la statue parfaite de Christ, qui en soirée se retire dans le lieu secret pour implorer la grâce de Dieu, qui en matinée, tôt le matin, se retire dans le lieu secret pour implorer la grâce de Dieu. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Père, oh Dieu, nous proclamons, Père, que ton Église, Seigneur, puisse se retirer dans le lieu secret, implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, Père, oh Dieu, afin que Père, Seigneur, le ciel-là a marqué le code sur le partage de ton peuple. Que le ciel-là a marqué le code, Père Adonai, soit, Seigneur, le quotidien de ton peuple, Père. Père, oh Dieu, Seigneur, tu nous montres que nous devons atteindre la statue parfaite de Christ.
sommes. Quel tu es, tel nous sommes. Quel tu es, tel nous sommes. Adonai, ô Dieu, accorde-nous de te ressembler, Père. Accorde-nous de te ressembler. De parler comme toi, de vivre comme Christ le fait de chair. Dans le nom puissant de Christ de Jésus. Carabosha, ta carabosha. Le carabosha, ma rabosha, katayabashi. La bababosha, et les baskata. Le carabosha, la bababosha, que tu es le bosha. Et la bosha, et les bosha, la bababosha. Au verset 12, il dit: puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressait des prières à un quelconque Dieu, à un homme excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. La consécration de Daniel a entraîné l'adversité. La consécration, la vie spirituelle de Daniel a troublé le milieu dans lequel il était. Est-ce qu'aujourd'hui notre vie spirituelle est le milieu dans lequel nous sommes? Nous allons prier face aux adversités que nous avons rencontrées. Face aux adversités que nous avons rencontrées, d'abord à l'église et aussi personnellement dans les familles. Nous allons prier, la liste n'est pas exhaustive. Nous allons prier premièrement contre l'esprit de l'assoupissement spirituel qui frappe l'église, qui frappe les chrétiens, qui frappe les ouvriers par une quelconque porte qui a été ouverte, une quelconque porte qui a été libérée, consciemment ou inconsciemment, qui a laissé ses esprits agir librement dans nos vies. Nous allons nous lever contre l'esprit d'assoupissement spirituel et tout esprit qui travaille en connivence avec l'esprit de distraction. Nous allons nous lever aujourd'hui. Que l'assoupissement spirituel maintenant puisse lâcher prise. Que l'assoupissement spirituel puisse lâcher prise. La Bible déclare: la rouille ne s'en ira que par le feu. Nous allons invoquer le feu dévorant maintenant. Que toute rouille qui a siégé sur nos vies, qui a infiltré l'église, nous allons proclamer que le feu dévorant maintenant puisse frapper ces choses. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions. Récréte les bosses, amadez vos, Que toute rouille puisse nous lâcher dans le nom de Jésus. La race de Kamelos, Rebos Katayabachete, quelle bosse, Rebachete, quelle bosse, Deka, Rebadabos, Amalabos, quelle bosse, Rebadabos, Amaleka, Yebos, Andalabachete. Laisse que ton feu, Père, le feu dévora agisse, le feu dévora agisse. Laisse que ton feu frappe maintenant, laisse que ton feu frappe maintenant. C'est là, ma clébos, Rebos, Katayabachete. Est-ce que ton feu frappe maintenant toute rouille, Père? Toute rouille qui a siégé en ce lieu. Toute rouille qui a siégé en ce lieu. Rouille qui a siégé en ce lieu. Que ton feu dévora agisse maintenant. Rébachanda Karabashanda. Rébachanda Yabashanda. Que ton feu, Père. Ton feu, Père. Ton feu, Père. Toujours dans ce même élan, nous allons prier. La Bible déclare: lève-toi, sois éclairé. Donc l'action de se lever vient d'abord de l'intérieur. La Bible déclare: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive.
Nous allons prier que le peuple de Dieu puisse prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve. Que le peuple de Dieu puisse décider aujourd'hui de s'élever afin que la lumière de Dieu puisse commencer à luire sur leur vie, sur la vie du peuple de Dieu, sur nos vies, dans la génération. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Père, ô Dieu, Père Seigneur, ta parole montre que c'est ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ton esprit convainc de péché, de justice et de jugement, Père. Seigneur, ô Dieu, nous voulons que Père, ton Église, Seigneur, puisse prendre conscience de l'état dans lequel il se trouve, puisse prendre conscience de la situation, Père, et décider de se lever, Adonai, de décider de se lever, Père, ô Dieu. Seigneur, ton serviteur pouvait dire, Michel, Père, si l'Éternel est avec moi, Seigneur, ô Dieu, l'Éternel soit avec ton peuple, l'Éternel soit avec ton peuple, touche les cœurs, convainc les cœurs, Adonai, convainc les cœurs, ô Dieu, de péché, de justice, de jugement, convainc les cœurs de la situation, ô Dieu, à laquelle ton peuple fait face, afin qu'il puisse s'élever, Adonai, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Christ et Jésus, et que ta gloire éclate, la bouche à Karabas, que cette lumière, nous allons prier contre toute forme d'assoupissement, toute forme d'esprit rampant qui a infiltré nos vies, les familles, l'église, tout esprit rampant qui s'est infiltré, qui nous amène à nous détourner du chemin que Dieu a tracé pour nos vies. L'assoupissement, les esprits rampants sont subtils, alors nous ne voyons pas venir, nous constatons juste les dégâts. Nous allons prier que l'assoupissement, que l'esprit de l'esprit rampant puisse être frappé aujourd'hui dans le nom de Jésus. La Bible montre que l'apôtre Paul avait été mordu par un serpent. Ce n'est pas par l'épée qu'il a tué, mais c'est par le feu. Alors nous allons prier que le feu, la même manière qu'a brûlé, a consumé l'esprit rampant qui s'est attaqué à Paul, nous allons prier que le feu consume maintenant ces choses dans nos vies, dans l'église, au nom de Jésus. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Nous prions au nom de Jésus. Nous invoquons ton feu. Nous invoquons ton feu. Père, ô Dieu, donne-nous, Seigneur, la force de nous lever contre tout esprit d'assoupissement, Père. Tout esprit d'assoupissement, Père, ô Dieu. Tout esprit de séduction, Adonai. Tout esprit de séduction, tout esprit rampant qui s'est affronté, qui s'est infiltré dans nos vies, dans l'église, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que le feu dévorera maintenant, Père. Et carabo chata, et carabo chata. Il est le beau chamaré beau saté, que le beau chaman de basket. Que tout esprit rampant maintenant soit frappé par le feu de vos rangs. Dans le nom de Jésus. Karebo sharabo satayabada basete. Korebo sharabo satayabada basete. Ilabo sakarabo satayabada ont été plantés. Nous les déracinons au nom de Jésus. Et les consumons par le feu. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier. Par le feu. Pour faire face à un certain type d'esprit élevé en autorité, nous allons demander à Dieu de nous fortifier. Nous allons prier contre tout esprit à l'apparence des dragons qui consume des vies, qui détourne le peuple de Dieu, qui consume les destinées, qui désoriente la vision de Dieu pour la vie de son peuple. Tout esprit dragon qui amène la perdition, la perte non seulement des biens mais des personnes, qui a siégé, qui a été invité d'une manière ou d'une autre, nous allons lever contre cet esprit. Nous allons prier que le peuple de Dieu soit dans la hauteur. Que le peuple de Dieu soit dans la hauteur. L'esprit pouvait nous montrer que l'esprit, que c'est l'esprit, le dragon, il est élevé en dignité.
Il règne sur la nation et il voulait infiltrer l'église. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Nous allons prier que le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, il fait de la terre son marchepied et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Quelle que soit l'élévation de tout esprit qui infiltrait nos vies, qui infiltrait l'église, qui consume nos biens, qui consume nos proches, nous allons proclamer aujourd'hui que le Dieu Sabaoth qui est encore vivant aujourd'hui s'élève. Que le Dieu vivant, le Dieu capable, le Dieu parfait, le Dieu qui a confondu Baal, le Dieu qui a confondu Dagon, le Dieu qui a confondu les principautés des Perses, ce même Dieu nous le servons. La Bible déclare, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, nous allons inviter ce Dieu. Jéhovah Sabaoth, règne parmi nous. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Père, oh Dieu, Jéhovah Sabaoth, nous t'invoquons ce lieu. Nous allons prier parce que cet esprit a osé infiltrer l'église, a osé vouloir positionner son règne. Nous allons proclamer qu'il tombe sur nos jugements aujourd'hui. Nous allons proclamer que l'autorité qui était attribuée, nous la retirons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les galons, le positionnement qu'il avait, nous le retirons au nom de Jésus. Nous le dépouillerons et nous le renvoyons dans les lieux arides. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Priez Katalabo Sakarabasata. Ebo Sade Lebo Sakarabosete. Amastayabasete. Toi, esprit, qui s'est positionné pour pouvoir détourner ton peuple. Le but pour lequel Dieu l'a appelé. Nous proclamons aujourd'hui. Nous te dépouillons. Nous te retirons l'autorité qui t'a été attribuée. Nous avons proclamé que tout esprit en connivence avec l'esprit de mort qui a commencé à agiter les vies, qui a commencé à agiter les familles, aujourd'hui nous allons proclamer la fosse dans laquelle il voulait nous enfermer. Nous proclamons qu'il tombe lui-même dans cette fosse. Cette fosse est comparable à un puits sans fin. Il tombe sans possibilité de retour sur nos vies. Dans le nom puissant de Christ Jésus.
Karabo shata karabo shata yaba. Rekate lebo shama rebo shata. Reba rabo shata yaba sete kele boska. Shuma rega yaba sete kele bosha. Invoque, implore le sang de Christ Jésus qui a protégé les espoirs si chers, qui a protégé le peuple de Dieu. Invoque le sang de Christ Jésus. Karabo shata karabo shata. Reba yaba bo shata yaba sete kele. Reba shata yaba bo shile ba sete. Seigneur, ton sang qui a ruisselé à Golgotha n'a pas coulé en vain, Père. Ton sang a ruisselé à Golgotha, il n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé en vain. Il n'a pas coulé en vain. Père, ô Dieu, nous proclamons que ton sang transperce sur nos vies, transperce sur nos familles. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que ton sang, Père, parle pour nos vies, parle pour nos vies. Nous réclamons le sang de Jésus. Réclamons le sang de Jésus. Corébo Charabo Saté. Rébarabas Katarabachete. Que tout est mon père. Qui a mérité notre mal. Qui a mérité notre mal. Qui tombe même de la fosse qu'ils ont pesé. Azata Kalabachana. Rébas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Rébarabas Katarabachete. Écartez les beaux chandeliers, rabat sur ton courrier, bachal à la base. Par le nom de Jésus, nous allons déclarer maintenant, comme Shadrach, Meshach et Abednego ont déclaré, notre Dieu est capable. Et il n'a pas changé, il est encore le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Notre Dieu est capable. Nous allons déclarer ce que nous voulons voir à compter d'aujourd'hui. La Bible déclare, au son les cris de louange des trompettes, Jéricho a été ébranlé. Nous allons prier au son de notre voix aujourd'hui. Les barrières qui se dressent contre notre vie, contre notre percée, contre notre mouvance spirituelle, surnaturelle, soient brisées maintenant dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare, elle est semblable à un marteau qui brise le roc. Nous allons prier que le marteau de la parole de Dieu brise toute limitation, tout obstacle dressé devant nous, qui fait obstacle à notre percée surnaturelle. Nous allons proclamer, notre Dieu est capable. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, oh Dieu, le Dieu que Anne a prié et elle a donné Samuel à Adonai. Chamareza Karebo Chate. Ebarebo Shadababo Shata. Élève la voix et déclare sur ta vie. Oui, la création. Tu bénis le nom de Jésus. Présent, notre Dieu est capable. Chate, Karebo, notre Dieu n'a pas changé. Notre Dieu est capable. Et nous croyons Père, oh Dieu. Seigneur, nous croyons que Père, malgré l'oppression de l'ennemi, tu ne nous as pas abandonnés. Malgré l'adversité, tu ne nous as pas abandonnés. Mon règne encore s'élèvera le dernier. Père, oh Dieu, nous t'invoquons, nous l'écoutons maintenant. Ta saisie assez. Hâte-toi de nous secourir, Père. Hâte-toi de nous secourir, Père. Hâte-toi de nous secourir. Accomplis ta parole dans nos vies. Accomplis ta parole dans nos vies. Ton serviteur a relâché ta parole. Ton serviteur a relâché ta parole. Accomplis ta parole dans nos vies. Proclamons que cette saison commence maintenant. Proclamons que cette saison commence maintenant. Proclamons que cette saison commence maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Corébo Chacha la Basque. Et Karabo Chacha la Basque. Oh, Père, oh Dieu. Seigneur, nous ne savons pas être un homme. Nous avons le Dieu vivant. Le Dieu vivant, Père. Le Dieu vivant. Oh Dieu, hâte-toi, interviens dans nos vies. Hâte-toi, Père, oh Dieu. Hâte-toi, Père, oh Dieu. Interviens dans nos vies. Raskata la machete que les bosses. Rebaskata la machete que les bosses. Iba rebosanda la machete. Iba rebosanda la machete. Iba rebosanda la machete. Iba rebosanda la machete. Des lampes soient bénies de génération en génération. Nous allons prier, nous allons continuer à prier. Contre ces esprits-là qui ont osé menacer, attirer l'opprobre dans la vie du peuple de Dieu.
Nous allons proclamer, la Bible déclare, Jésus s'est écrit à la croix, tout est accompli. L'acte dans les ordonnances nous condamnait a été déchiré. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Nous allons prier que tout esprit qui s'appuie sur les malédictions passées aujourd'hui, parce qu'ils sont dans l'illégalité, nous croyons que Christ a tout accompli à la croix. Le jubilé de l'Éternel a été sonné à la croix par Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu vivant fait chair. Nous allons prier que ces esprits maintenant tombent encore sur nos jugements. Mais nous allons les renvoyer dans les lieux arides, sans possibilité de repos, sans possibilité de retour, dans le nom puissant de Christ et Jésus. Et que ces esprits qui oseraient s'aventurer soient frappés d'aveuglement, frappés de mutisme, de stérilité, d'hémorroïdes, dans le nom puissant de Christ et Jésus. Élevant la voix et proclamant la guérison divine, la délivrance surnaturelle, la vie de son peuple. Élevant la voix. Tu t'es décrié, tout est accompli. Nous proclamons dans la vie de ton peuple, tout est accompli. L'acte dans les ordonnances nous condamnait, qui condamnait ton peuple a été déchiré. Alors là où l'ennemi s'appuyait pour oppresser ton peuple, nous proclamons que ces choses soient frappées maintenant par le feu de vos rangs, dans le nom puissant de Christ et Jésus. Que s'ils osent, Père, oh Dieu, revenir auprès de ton peuple, ils comprendront combien il est terrible de tomber en ce moment du Dieu vivant. Jéhovah Sabaoth, agis en notre faveur. Nous proclamons que quand tu reviendras, si qui revient, Père, oh Dieu, sois frappé d'aveuglement, Père. Dans le nom puissant de Christ et Jésus. Nous allons prier en faveur du berger. Nous allons prier que le Dieu de cela amarque les cordes soit son partage. En cette saison de troubles, en cette saison difficile, nous allons proclamer que Dieu se souvienne de lui. La Bible déclare que je frapperai le berger, le peuple, le troupeau se dispersera. Nous allons recommander encore le berger, pasteur Félix Béramandia, entre les mains de Dieu. La Bible déclare qu'il ouvre, personne ne peut fermer, il ferme, personne ne peut ouvrir. Qui osera venir récupérer quelque chose entre les mains de Dieu? Nous allons proclamer, nous allons recommander le serviteur de Dieu entre les mains de son Père. Élevons la voix et prions pour ce sujet. Seigneur, te présentons ton serviteur, pasteur Félix Béramandjaï. Père, oh Dieu, nous voulons que tu te souviennes de lui. Souviens-toi de lui, Père. Seigneur, oh Dieu, consolateur, console ton serviteur. Regarde encore ton serviteur, oh Dieu, une fraîche onction, Père. Une onction particulière, oh Dieu. Donne à ton serviteur, oh Dieu, Seigneur. Être dans tes bras d'amour, Papa Yahweh. Seigneur, oh Dieu, donne-lui, Père, de compter de s'appuyer sur toi, Adonai, mon Dieu, mon roi. Fortifie ton serviteur. Seigneur, nous proclamons aujourd'hui que là où l'ennemi avait commencé à agir, nous proclamons cela à marque les côtes maintenant. Nous proclamons cela à marque les côtes maintenant. Nous proclamons cela à marque les côtes maintenant. La vie de ton serviteur. Dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ton serviteur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Orebos, arabasket, et les bochandes, et barabos, sabarabas, satakare basket, orabos, sababababos, arabasket, arabas, arabasket, merci Père, oh Dieu. Nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté, ta fidélité, Père. Seigneur, tu es notre rocher d'évasion, Père. Nous croyons et nous décrétons à nouveau la saison, Père, de la guérison divine. La saison, Père, au Dieu de la délivrance. La saison du surnaturel. Le rocher d'évasion, notre partage à compter de ce temps.
dans le nom puissant de Jésus. Te disons merci pour ces bienfaits. Nous croyons que ces paroles, ces prières, Seigneur, sont arrivées à bon port et trouveront l'exaucement, ô Dieu. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton esprit, merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. C'est là à ma clé-côte, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps. Nous bénissons le frère Tommy Giovono pour ce temps. Ainsi prend fin notre session matinale de prière. Je suis le frère Patience. J'aimerais juste bénir encore le Seigneur pour vos vies, vous qui avez été avec nous pendant ce direct. Vous pouvez juste nous mettre en commentaire là où vous êtes. Si vous êtes à l'étranger, mettez juste le pays. Si vous êtes ici à Dakar, au Sénégal, mettez le quartier. Pendant que ce chant passe, je prie que tout en chacun soit béni. Il est 6h02 à ma montre. Nous allons souhaiter bonne journée à ceux qui partent au travail, ceux qui sont à la maison. Préparez-vous. J'attends juste un commentaire, mettez là où vous êtes. Liberté 6, merci frère Yann qui nous suit depuis Liberté 6 Extension. On a le frère Aubin qui est Ngakama, qui est à Wakam. Armel Akoya, Jeddo, béni sois-tu. On a Cintish qui est à Liberté 6, Joyce est à Liberté 6, on a Sacré-Cœur. Nous allons faire passer un chant de notre de louange de la jeunesse. Pendant que vous mettez, on a Medina, on a Ross qui est à Sud-Foix, nous avons Jacques Messongo qui est à Jeppel 3. Soyez bénis, nous espérons que ce programme a béni beaucoup de gens. Donc merci beaucoup Fef Havana depuis Liberté 6. On a Ruth Boyog à Ouest-Foix, Ruth Banas à Liberté 4. Soyez bénis, béni soit le Seigneur. N'oublions pas qu'on a notre programme à 18h encore. Demain matin, nous serons là. Nous serons là demain matin encore. On a Corinthien bâti à face des morts, des lords, je pense bien. Merci beaucoup, merci. Mettez-nous en commentaire là où vous nous suivez et que le Seigneur vous bénisse encore. Pendant que je s'en passe, Merci à tous, que le Seigneur soit glorifié. On a Luma Lou depuis Sacré-Cœur. À celui qui est assis, pour Sarah, béni soit le Seigneur, son nom. Celui qui règne là-bas et ici. Alors nous allons laisser passer le chant. Écrivez toujours en commentaire là où vous êtes, là où vous suivez, pendant que le chant passe. Merci beaucoup. Sois louange et honneur, celui qui règne là-bas et ici. Sois louange à celui. À Jésus. Celui, l'agneau de Dieu, à Jésus, à 18h, et demain matin, nous serons encore.
encore là. Même heure pour bien commencer notre journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Arena des Champs de Jésus. Merci beaucoup Arena des Champs. Merci à Dieu de l'Université. Merci à mon dégrad de l'Université. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore en ce jour. Demain, d'abord ce soir à 18h, ensuite demain à la même heure. Merci. Qui règne là-bas ici.
celui qui est assis. Sois louange et honneur, celui qui règne là-bas et ici. Sois louange et honneur à mon roi qui est assis. Sois louange et honneur à mon roi qui est assis. Sois louange à celui qui est assis.